Les 5 avantages pour acheter en indivision plutôt qu'en SCI, je te donne mes conseils dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour les entrepreneurs de l'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des 5 avantages d'acheter en indivision plutôt qu'en SCI. Ça se passe tout de suite, maintenant. Alors tout d'abord, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification que tu vas voir apparaître, ça va te permettre de recevoir l'intégralité des conseils en temps réel pour prendre les bonnes décisions et investir dans l'immobilier toujours plus rentable. Si tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Mickaël Zonta, je suis le dirigeant de la société investissementlocatif.com. Avec mon associé, on accompagne, on t'a peut-être déjà accompagné des centaines d'investisseurs par an dans plus d'une quinzaine de villes dans des projets immobiliers très rentables. Et on m'a sollicité récemment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, @MickaëlZonta, sur cette question, quel est l'avantage d'acheter en indivision plutôt qu'en SCI? Et du coup, je voulais en quelques minutes, le but c'est de te donner une capsule très rapidement en quelques minutes, pouvoir te dire les avantages de l'indivision par rapport à l'SCI. Alors à l'inverse, il faut que tu saches qu'il y a également des avantages à acheter en SCI plutôt qu'en indivision. Mais là, ça te permet de voir, si tu débutes, quels sont les premiers avantages quand je suis en indivision, et tu peux retrouver sur la chaîne plein d'autres vidéos. Retiens toujours, en fiscalité, il n'y a pas une formule magique. S'il y avait une formule magique, on dirait toujours qu'il faut acheter que en indivision, il faut acheter que en SCI, il faut acheter que en SRL de famille. Ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est qu'il y a une stratégie par rapport à un profil. Et en fiscalité, puisque c'est souvent ça également la clé du choix de qui va détenir un bien immobilier, un immeuble, bah, c'est toute la difficulté, mais c'est aussi tout ce qui est intéressant intellectuellement, c'est qu'il faut arriver à se projeter. Une décision qui peut être bonne aujourd'hui pour ta situation ne le sera peut-être plus dans 20 ans en fonction d'une situation qui aura évolué. Tu gagneras peut-être plus d'argent, tu gagneras peut-être moins d'argent, tu seras peut-être marié, tu auras peut-être des enfants, tu auras peut-être envie de vendre, transmettre, au contraire, tirer un salaire, tirer des dividendes. Donc, ce qui est très important, retiens toujours ça, c'est qu'il faut, pour prendre la bonne décision en fiscalité, savoir quel est l'objectif. Et là, tu vas pouvoir prendre une bonne décision. On va voir ensemble donc les 5 avantages et je commence tout de suite par le premier. Tu sais, souvent quand je discute peut-être avec toi ou sur des séminaires, je pense que les investisseurs débutants, ils ont tendance à trop se compliquer la vie au départ. Et c'est un peu normal, c'est comme quand tu apprends à lire, quand tu apprends à écrire, quand tu apprends à compter, ça te semble une montagne et c'est difficile de faire le tri et de savoir finalement quel est le point de départ. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est de se dire dans tout, dans l'immobilier, dans n'importe quel business, toujours commencer par quelque chose de simple. Tu ne pourras pas, quand tu démarres et tu débutes dans un secteur, faire la meilleure des décisions tout de suite et tout connaître. Donc, il faut partir de simple, commencer, avancer, acheter un petit peu et petit à petit, bah, commencer à mettre en place des stratégies un petit peu plus complexes. Et donc, c'est toujours ce que je propose à mes clients, aux investisseurs, plutôt s'ils débutent et s'ils sont novices, c'est de débuter part de l'indivision. Et pourquoi? Parce que déjà, les démarches, elles sont simples, tout simplement parce que globalement, quand tu achètes en personne physique, il n'y a pas de démarche. Il n'y a pas de démarche avant puisque tu vas faire une offre en ton nom. C'est toi qui vas être sur le compromis, c'est toi ensuite qui va aller chez le notaire, c'est toi qui va signer et enfin, tu vas recevoir ton acte de propriété et tu vas être propriétaire. Il n'y a donc pas de démarche particulière à faire et c'est ce qui rend le schéma extrêmement simple et c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs débutants, et ils ont raison et tu as raison, achètent en indivision en tant que personne physique au départ, que tu sois seul ou que tu sois avec ta femme. En deux, c'est la gestion derrière. Alors, sans rentrer dans le détail complexe, il y a plein de vidéos dans la chaîne qui vont rezoomer sur des parties de ce que je vais dire parce qu'en quelques minutes, c'est très difficile d'arriver à synthétiser. Mais ce que je veux, c'est vraiment que tu puisses sortir de cette vidéo avec 90% de la réponse et ensuite les 10% restants, tu vas les apprendre quand tu seras dans le grand bain de l'immobilier. Ici, ce qui est important par rapport à la SCI, alors ici, quand je parle de SCI, pour que les gens comprennent bien, je vais parler toujours de SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, puisque celle à l'IR va être transparente fiscalement, donc il y aurait moins d'intérêt de les comparer. En termes de gestion ici, ça va être beaucoup plus simple. Que tu déclares au forfait, que tu sois au LMNP réel, globalement, comme ça va se passer sur un compte bancaire
qui a ton nom, ça va être beaucoup plus facile ici de pouvoir comparer les entrées et les sorties plutôt que si tu es un SCI où ça va t'obliger effectivement à faire un bilan, une liasse fiscale. Donc là, ce qui est très bien sur la gestion, c'est que tu n'as pas de bilan à faire, de liasse fiscale. Tu n'as pas forcément besoin de passer par un expert comptable, sauf si tu déclares au LMNP réel, ce que je t'invite à faire. Mais même dans ce cadre-là, pour ton expert comptable, ce sera encore une fois beaucoup plus facile et il y aura moins de process réglementaires à faire. Donc, la marche à l'entrée pour acheter un bien immobilier et en être propriétaire en indivision, elle est beaucoup plus accessible. Ici, pareil, c'est la cession. Ici, la cession, si tu es en indivision en personne physique, bah, c'est le même processus mais de sortie qui va se passer. C'est que tu vas en ton nom aller chez le notaire, tu vas signer les différents documents qui vont te permettre de vendre le bien. Ce sera toujours plus complexe à faire dans le cadre d'une SCI. Pourquoi ? Parce que c'est dans le cadre d'une société. Donc là, c'est la même chose. Tu oublies puisque tu ne seras pas dans le cadre de cession d'un bien immobilier détenu par une société. Et donc forcément, ça rend le process beaucoup plus simple. Si tu es novice, c'est une des erreurs que je vois, c'est de vouloir trop complexifier le système et de pouvoir dire, j'ai des gens qui n'ont jamais investi dans l'immobilier qui viennent et qui me disent, mais je voudrais monter une holding, cette holding investirait massivement dans des SCI et ces SCI détiendraient massivement de l'immobilier. Je te le souhaite et c'est très bien, mais est-ce que tu penses que c'est la marche la plus simple à l'entrée pour commencer à investir dans l'immobilier ? Beaucoup de gens, malheureusement, et beaucoup d'investisseurs, du coup, en complexifiant énormément, bah, vont tout simplement se freiner dans leur progression ou vont tout simplement engager beaucoup de frais bah, pour quelque chose qui, derrière, ne va pas générer au départ beaucoup de revenus locatifs. Donc, il faut y aller crescendo. Donc ici, si tu es novice ou si tu débutes, il faut au maximum que tu restes dans ce schéma de simplicité et donc ne complexifie pas. C'est vraiment la principale erreur que je vois. Au départ, quand tu débutes, oublie le holding, sauf si tu as un apport extrêmement conséquent, sauf si tu peux lever plusieurs millions d'euros de dettes. Mais si c'est pour acheter un appartement au départ, enlève ça de ta tête, ne complexifie pas. Je vois vraiment trop de débutants qui se perdent en fait dans trop d'informations. Le flux d'informations va énormément te ralentir. Donc, essaye de rester dans un schéma simple et plutôt focus-toi au maximum sur l'immobilier, sur le produit immobilier. Détache-toi un tout petit peu au départ de ces sujets-là, ce qui va vraiment te permettre d'accélérer au risque sinon vraiment beaucoup trop te ralentir. Et je pense qu'il faut qu'on en parle parce que c'est le sujet majeur, c'est pour ça que je veux finir par ça. Détenir des biens en SCI, en société, je crois que pour quelqu'un qui est novice, ça fait aussi rêver de se dire voilà, j'ai une société qui détient de l'immobilier. Bullshit, enlève tout ça. Ce qui est important, c'est combien il te reste à la fin, combien tu gagnes. Peu importe de comment tu le détiens, le but, c'est pas d'avoir l'air costaud, d'avoir l'air riche. Le but, c'est d'être riche. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, derrière ici, il faut que tu aies en ligne de compte cette fiscalité. Cette fiscalité à la revente, elle va être plus douce en indivision si tu dois t'en séparer tout simplement parce que le temps, il est avec toi. Ça veut dire quoi le temps, il est avec toi ? Ça veut dire que plus le temps passe, moins tu vas payer d'impôts sur la plus-value. En SCI LIS, retiens que ça. Si tu dois retenir une seule information de cette vidéo, plus le temps passe, plus je vais payer d'impôts en SCI LIS. Ici, plus le temps passe, moins je vais payer d'impôts jusqu'à terme, potentiellement avoir zéro. Si tu devais retenir une seule chose, c'est ça. Et si je te dis ça, forcément, c'est un big avantage là-dessus d'acheter de l'immobilier en direct plutôt qu'en SCI. Donc, ne complexifie pas, reste au maximum focusé sur ta recherche, sur ton bien immobilier, sur l'opérationnel en tant que tel parce que c'est vraiment ça qui va faire que tu vas apprendre l'immobilier. Et derrière, pense ici, si tu dois revendre, que le temps il va être avec toi et c'est un gros argument. Je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que si tu veux savoir pourquoi bah, beaucoup d'investisseurs investissent quand même en SCI LIS si le temps ne joue pas pour eux. Bah, c'est mon cas, c'est le cas de millions d'investisseurs dans le monde. Bah, ils ne sont pas bêtes, ils le font parce qu'il y a d'autres stratégies
derrière. Je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, la petite cloche notification pour voir les autres vidéos où tu pourras voir les autres avantages d'investir en société. Mais j'espère qu'en quelques minutes, j'ai pu t'aider toi si tu débutais dans l'immobilier pour avoir une vision un petit peu plus claire et surtout passer à l'action. Parce que avant de complexifier le système, le plus important dans tout, dans la vie en général, c'est de passer à l'action si tu veux réussir. Je t'invite à mettre en commentaire si tu partages cet avis et vraiment tout ce que tu pourras dire qui pourra aider la communauté, tous ceux qui veulent débuter en investissant dans l'immobilier. Je te dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao.